Ah que coucou. Bonjour Twitch. Le retour du live donc, qui a déjà crashé. J'appuie sur le bouton. Le live crash. On démarre sous de bons auspices. Là. Vous le sentez que ça va être intéressant le retour. Donc, nouveauté. Aujourd'hui, si Krita un jour veut bien se lancer quelque part, j'ai une copine à moi qui s'appelle Antiope, Antiope Art, qui m'a passé un dessin très très gentiment aujourd'hui. Et ce dessin, bah, je vais vous le récupérer. Et simplement, je vais essayer de l'améliorer, de le tweaker un petit peu, et de le retoucher un petit peu dans mon style. Et je vais en profiter pour vous montrer comment on fait du tissu, en gros, comment on travaille les transparences, etc. etc. Donc on va très très gentiment attendre que Krita se charge, que mon PC se réveille, et on va croiser les doigts pour ne pas avoir un nouveau crash. Et théoriquement, ça devrait bien se passer. Normalement. Trois petits points. Trois petits points sur le normalement. Oh mon dieu, je déteste ma vie. Je déteste ma vie. Et ça charge pas. Ok. Non mais c'est pas grave en même temps. Ça va nous laisser le temps de discuter un peu, de se poser 2 minutes, de réfléchir à notre vie. Au fait que j'aurais peut-être éventuellement dû tester mes settings Streamlabs il y a 1 heure. Avant d'attaquer ce live. Peut-être. Ça aurait éventuellement pu faire apparaître quelques menus problèmes. C'est une façon dérivée de dire que c'est ma faute. Sans que ce soit vraiment ma faute. Évidemment. Ah, Krita se lance! On va y arriver. Du coup, j'ai investi dans du matos. Pour ceux qui, effectivement, avaient suivi mes lives du précédent confinement, ça doit faire quelque chose comme 3 mois que j'ai plus fait de live, j'ai acheté un petit peu de matos. J'ai acheté des lights, j'ai une table de mixage qui devrait normalement arriver. J'ai un nouveau micro. Joli nouveau micro. Normalement, je devrais également un petit peu améliorer du hardware aussi, en théorie. Hein. Si tout se passe bien, je devrais avoir de nouveaux logiciels, de nouveaux trucs pour les démos. Donc, ça aussi, ça va être cool. Oui, Krita s'est lancée! Magique! Hello! Comment ça va? Coucou, coucou! Tu viens de rater un crash absolument extraordinaire! Extraordinaire! C'était magique! Je te jure, je prépare tout, je clique sur démarrer live, et là, paf, écran bleu! Et j'ai tout qui reset. Est-ce que c'est pas, tu vois, grandiose? Ah, il y a un petit côté magique. Alors du coup, je vais créer ça genre super vite fait, parce que bien sûr, j'avais setupé ma scène, mais comme une imbécile, j'avais pas sauvegardé. Évidemment que j'avais pas sauvegardé. Ce serait pas drôle, sinon. Hop, hop. Allez, BG Blue. Oui, t'inquiète pas, ce sera sur YouTube. Je ferai un petit montage rigolo. Je ferai un petit montage rigolo. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Et en plus, ce truc, il est resté sur Instagram. Bien sûr. Ah, j'adore ma life. Alors, attends, si je suis un tout petit peu maligne, je vais faire ouvrir récent. Je vais ouvrir ma pub Insta. Je vais récupérer l'image. Oh, pourquoi c'est pas sauvegardé? Oh non. Non, 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 non. Non, non, le bâtard, il me... Oh, il n'a rien sauvegardé. Ça a tout craché, ça a rien sauvegardé. Je déteste ma vie. C'est pas grave. C'est pas grave. On va respirer un grand coup. On va respirer un grand coup. Tout va très bien. Si je le répète suffisamment de fois, je pense que je peux m'auto-persuader que tout va bien. Ah, je t'ai perdu. J'ai plus rien. Pourquoi? C'est pas juste. Attends, alors, je récupère mes abos. Hop. Je reviens sur le compte. Hop là, voilà, copier, allez, je récupère l'image. Non, parce qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de récupérer en fait une image d'une copine à moi. Et en fait, je vais la reprendre, mais dans mon style. Et du coup, je vais en profiter pour améliorer 2-3 trucs. Hein. Un peu à ma sauce, tu vois. Et comme ça, je vais aussi pouvoir parler un petit peu de la transparence des tissus. Parce que c'est un truc que j'ai toujours kiffé faire, ça. Voilà. On monitor, bim. Et j'ai toujours kiffé ça.
Et pour le coup, j'ai pas souvent l'occasion, en fait. Je sais pas pourquoi, j'en fais pas tellement, en fait, des tissus un peu transparents. Alors vraiment, je kiffe faire ça. Du coup, ça va être un peu l'occasion. Donc le dessin de base, c'est celui-là. Qu'entre parenthèses, je trouve assez stylé. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, Antiope_art sur Instagram. Allez checker. J'ai verrouillé tout ça avant que je fasse de très grosses conneries. Yop. Yay. Et puis du coup, bah, je vais reprendre ce truc-là. Parce que ouais, je la trouve assez stylée, la meuf. Vraiment, vraiment bien, bien stylée. Et du coup, j'ai envie de faire 2-3 petites retouches au niveau du dessin et de reprendre un petit peu le drapé, tout ça. Et puis bien sûr, rajouter les détails. Voilà. Là, pour le coup, hashtag Antiopart. Hey, les orteils, faut les finir. Ça, c'est pas bien. C'est genre pas bien du tout. Et si tu veux, j'en profiterai pour montrer... je sais pas si elle va être sur le stream ce midi. Mais du coup, je vais en profiter pour montrer peut-être un peu la structure des pieds. Peut-être, s'il y en a d'autres que ça intéresse. Ah, histoire qu'on n'ait plus jamais ce genre de truc. Du coup, comment je vais reprendre ça? Je vais commencer par là. Je pense que je vais commencer par reprendre les lignes de base au niveau du corps. Okay. Voilà, histoire qu'on se reprenne un petit peu de structure, qu'on reprenne un tout petit peu la poitrine, hein, parce qu'il y a une toute petite couillasse sur la poitrine. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours pareil, de pas grand chose en pas grand chose, on fait des bêtises. Juste reprendre un tout petit peu ça. Hop. Donc ouais, toujours bien reprendre sa structure. Hein. Je vous ferai jamais assez chier avec ça, je pense. Je sais pas trop après comment je vais reprendre ça, mais j'ai bien envie d'accentuer un tout petit peu la cambrure. Hein. Peut-être d'avoir un peu le bassin qui soit un tout petit peu plus vers l'avant. Mais... vous inquiétez pas, mes croquis sont toujours moches. J'aime bien les croquis moches. Derrière, je sais pas trop si je vais pas remodifier un peu la pose de la jambe aussi. Peut-être avoir cette jambe là qui soit un petit peu plus derrière. Parce que normalement, c'est celle-ci qui est en appui. On va savoir celle de derrière qui est en appui. Et moi, j'ai bien envie. J'aurais bien envie peut-être de faire un petit contrapposto. Alors, si je fais un contrapposto comme ça, c'est moins cool que si je fais un contrapposto comme ça. Donc, je vais peut-être lever un tout petit peu plus cette épaule et peut-être du coup mettre cette jambe là en appui à l'avant qui serait un peu plus un peu plus droite du coup, ce qui serait un tout petit peu plus cool. Ouais, t'as vu, le dessin est vraiment sympa de base. Après, je sais pas trop si elle s'est basée sur une photo, je vais pas demander, j'avoue, si elle s'est basée sur quelque chose pour faire ça, ou si effectivement elle est directe partie d'un pro. À mon avis, d'avoir une petite base photo. Je dis ça, j'ai aucune certitude. Mais voilà, vu de pif, hein, vu comment le dessin est construit. En général, c'est assez lié. Donc ouais, moi je vais travailler un petit contraposto comme ça. Et pareil, je vais dégager le bras. Alors ça, c'est côté un peu déformation professionnelle. Quand je crée une pose, j'ai toujours un petit peu tendance à... comment dire? J'ai toujours un peu tendance à l'améliorer en termes de visibilité. Et j'aime pas trop les choses qui vont être trop symétriques. Et par exemple, ce bras-là qui est un peu symétrique avec celui-là, ça casse un peu la dynamique. Quoi. J'aime bien quand les choses sont un peu... pas parallèles. Quand on veut créer un peu de mouvement, histoire de donner un peu de sensation d'un truc qui bouge, quoi. Donc ça, déjà, je veux bien aimer. Hop. Et dans la même logique, ça aussi, c'est des formations professionnelles, hein, illustration, animation. Je suis pas hyper fan quand les choses se superposent. Vous voyez, quand le bras est un peu caché derrière, etc., etc. J'aime bien quand les choses sont un petit peu séparées. Ça permet d'avoir plus de lisibilité et encore une fois, de gagner un petit peu en dynamique. Ouais, là, on va être pas mal. Dans la même logique, les cheveux... je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Après, je sais pas si je les fais plus courbés. Peut-être juste comme ça suffirait. Ouais, sur le petit côté frisé des cheveux, je trouve fun. Donc ça, je pense qu'on va le garder. Petit côté, voilà, hispanique, hein, qui est assez sympatoche.
Après, je verrai comment je vais traiter ce truc-là. Donc ça, c'est sûr, c'est derrière. Ouais, faire une espèce de mâche de cheveux comme ça. Ça peut être assez fun. Hop. Voilà. Donc déjà, ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. Au niveau des pieds, j'aime pas, par contre. Au niveau des pieds, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, c'est moche. On va essayer de retravailler ça un tout petit peu mieux, quand même. Laisser un petit peu la gomme, avec la gomme de pain. Comment je vais lui faire sa petite jambe? Alors, si j'appelais ça ref, ce serait cool aussi. Parce qu'après, vous allez m'engueuler parce que je nomme pas mes calques. Enfin, ouais, t'arrêtes pas de nous faire chier parce qu'on nomme pas nos calques et toi, tu le fais jamais. On va essayer d'éviter. Si je fais un petit truc dans ce genre et qu'après je passe une petite papatte, est-ce que je peux me permettre de passer une petite papatte derrière? Peut-être que si on faisait un petit sol aussi, ce serait bien. Donc on va avoir un petit pied qui est là, déjà. Si on la faisait marcher à peine sur le sol, un peu comme si elle marchait sur l'eau, je sais pas trop. Un petit côté un peu fantastique, ça serait pas trop mal ça. Et après, je peux lui faire un pied légèrement de côté ici. Voilà. Peut-être une espèce de truc un peu comme ça. Voilà, bien. Hop. Une espèce de petit trois quarts léger. Et là, faudrait que je fasse un joli trois quarts face sur le peton. Est-ce qu'on pourrait avoir un léger trois quarts face sur le peuton? Pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors après, le danger, c'est de perdre ce qui faisait l'intérêt de la pose de base. Parce que moi, j'aime les trucs un peu plus dynamiques. Comme je vous dis, je reprends le truc vraiment dans mon style. Soyons bien clairs, je le reprends dans mon style. Donc moi, j'aime les trucs qui bougent. Ok. Mais à l'origine, le dessin, ce qui m'a plu aussi, c'est ce côté un peu posé, un peu flottant, qui est intéressant. Et ça, j'ai pas forcément envie de le perdre. Et je trouve que mon ruff le perd peut-être un peu au niveau de ce bras-là. Pour le coup, qui, je pense, aurait intérêt finalement à rester sur sa trajectoire de base. Hein, d'avoir quelque chose qui va aller derrière, qui va être dans la longueur, comme ça. Ça, c'est pas mal du tout. Yay! Merci! Merci pour le follow. Hop. Et d'avoir genre ça, tout en douceur, au niveau de la main. Quelque chose d'un peu léger. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Oh, ça marche bien, ça. Oh, oui, ça va marcher, ça. Alors, par contre, du coup, il va falloir faire attention à la main de l'autre côté. Parce que si je la fais crisper sur le crâne, on va se retrouver avec un décalage entre les deux mains. Ça, c'est généralement pas top. En général, on va essayer d'avoir une espèce de cohérence entre les mains. Quand on est crispé ou quand on est relâché, en général, c'est symétrique. Alors, on va lui faire un petit bout de bras ici, en essayant de reprendre un peu les proportions. Et d'avoir effectivement quelque chose de beau et de délicat. Beau et délicat. Avec un petit pouce qui va être par là. Ça, je pense qu'on va le garder. Maintenant, niveau anatomie de la main, je tiens à dire qu'ici, il y a quand même un souci. À la base. Bon, c'est pas la mort. Hein. Mais juste, voilà. Antiope, si tu me regardes. Au niveau de la main, tu feras gaffe. Ici, là. Le segment qui est ici, il est genre beaucoup trop court. Vraiment beaucoup trop court. Je pense que tu vois, si tu devais faire une paume de la main un petit peu plus correcte, hein, tu vois, ça te donnerait quelque chose. Tu vois, à peu près comme ça. Dis-toi que la paume de la main, ça fait la même taille que tout le doigt. De base. Et du coup, même si là, on est d'accord, c'est un peu plus court, il y a quand même une espèce de couillasse un petit peu chelou, quoi. Enfin, il y a un truc bizarre. Tu vois, qu'il faut un petit peu reprendre. Par contre, j'aime bien le raccourci. J'aime bien le raccourci sur le petit doigt. Peut-être essayer de le garder, celui-là. Ou alors...
C'est une bonne question. Si j'essayais de placer simplement le crâne en vis-à-vis, on va peut-être démarrer de ça avant de faire le reste. Peut-être que j'aurais tout intérêt à d'abord installer le crâne. Parce que de toute façon, le poignet va être quelque part par là, donc la main elle va être quelque part par là. Parce que la main, elle pourrait tout aussi bien tenir le crâne comme ça, hein, dans l'idée. Ou... comment que je vais pouvoir faire ça? Scale, hein. On va essayer de retravailler le dessus. Parce qu'il y a ce côté où la tête, elle est comme ça. Ce qui pourrait être sympa, c'est qu'il y ait une espèce de défi entre les deux personnages. Genre, au lieu que le crâne, il regarde vers le haut, genre par là, ça pourrait être sympa que le crâne, il la regarde avec une espèce d'air sévère aussi. Genre, en fait, que le crâne, il soit penché vers le bas, comme ça, comme elle, en fait. Avec vraiment un regard du dessous. Donc, que le crâne soit comme ça, et que la main enlace comme ça. Ce qui présupposerait, en fait, que... il faudrait que le bord des doigts soit là. Tu bouges pas. On va dégager le bras. Dans ce genre de cas, faut pas essayer de relier l'épaule jusqu'à la main, jusqu'au crâne. Dans ce genre de cas, oubliez. Placez d'abord le crâne, là où vous voulez que ça soit. Ou l'objet, enfin peu importe l'objet quoi. Donc, placez d'abord l'objet là où vous voulez que ce soit. Et après vous vous démerderez pour relier en fait. En général, on fait moins de conneries à faire ça comme ça. Donc si j'ai mon crâne qui est par là... On peut les mettre un peu en parallèle comme ça. Avec une espèce d'air un peu... Une espèce d'air un peu triste, je sais pas trop... À voir... Ça comme ça, ça comme ça. Alors ça comme ça. Le front, hop. L'arrière du crâne, à peu près comme ça. Et ce serait bien si je lui faisais des petites pommettes à mon machin. Ok. Ouais. Je suis pas monstrueusement convaincue non plus. Peut-être un côté un peu plus. Hein. Ouais. Parce que on peut travailler ça de deux façons, ouais. Soit on peut le travailler un peu, genre le crâne, il la regarde du dessous. Soit on peut effectivement garder le côté, le crâne, il est en dessous d'elle. Et qu'il y ait une espèce de côté un peu de pitié. Voilà, on retrouve un côté un peu shakespearien dans l'idée. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal du tout, en vrai. Puis ça irait bien avec le truc de base, en fait. Et dans l'idée, cette espèce de côté un peu flottant, ça me permettrait de lui faire à elle une espèce de regard un petit peu comme ça, justement neutre, un peu froid, un peu on sait pas trop. Et de l'autre côté, le crâne, qui a toujours les crânes, ça a toujours une espèce d'air un peu triste comme ça. Un côté un peu mélancolique. Ça peut être pas mal en vrai. Bon, en même temps, si ça plaît pas au fur et à mesure, hein, on sera toujours temps de dégager le machin. Ce qui, normalement, devrait me permettre maintenant de raccorder le bras. Si je gomme pas dans le bon calque, ça va pas le faire. Hop. Donc de dégager ce truc-là. Sauf que je vais me retrouver avec le même problème que tout à l'heure. C'est pas grave au pire. On va quand même le tenter avec le bras derrière. Voilà. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. On va tenter voir ce que ça donne. Ce sera peut-être justement un peu moins dynamique. Mais... peut-être justement un peu plus dans le mood de ce qu'on veut. Je vais quand même garder l'épaule un peu plus levée. Alors attends, parce que si la main je te la fais là. Si la main je te la fais là. Genre comme ça. Comme ça. Mouais. Ça se sent que je suis pas hyper convaincue. Oh putain, excusez-moi. Désolée, j'ai pas encore de modérateur. N'hésitez pas à me signaler quand il y a ce genre de conneries là.
Pourquoi je peux pas le virer? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je peux pas le virer? C'est quoi ce foutoir? Je peux pas le cacher. Je peux pas le cacher. Si, c'est bon. Je suis pas douée. Je suis pas douée. Ouais. Oui, mais si. Ouais. Casse-toi. Voilà, ça c'est fait. Hop. Ah, les pubs. Alors, on reprend. Je vais réinstaller ça ici. Voilà. Histoire d'avoir le bras qui passe là, même si encore une fois, je suis pas non plus monstrueusement convaincue. Je suis pas monstrueusement convaincue par la pose de la main non plus, d'ailleurs, en passage. Hein. Je suis pas... peut-être que tourner légèrement la main vers la paume. Peut-être, ouais, d'être un peu plus justement, encore une fois, comme la photo. Après, j'ai peur que, vu l'angle du crâne, j'ai hyper peur qu'on voit plus le bord là si je mets le pouce, vu comment j'ai mis le crâne. Crâne qui, au passage, hein, dans l'image originale, je sais pas, pareil, Antiope, si tu l'as fait exprès, mais c'est un crâne d'enfant. Je te le dis, hein, je pense que le but c'était d'être un petit peu glauque. Ça renforce le côté glauque, parce que c'est ça, t'as fait un tout petit crâne. Il est tout petit petit. Et zéro chance que ce soit un crâne d'adulte. Hein. Voilà, je dis ça, hein, juste. Et si tu veux vraiment pousser le détail, vraiment dans l'idée, jusqu'au bout, le front, tu le fais un tout petit peu plus bombé, et les dents, t'en mets un peu moins. Voilà, ou carrément t'en mets pas, si tu veux vraiment passer genre en mode c'est un crâne de tout petit bébé. Voilà, je dis ça, hein. Voilà. Vous savez, moi et la glauquerie, hein, j'aime bien la glauquerie. Mais bon, là, je suis partie sur un crâne d'adulte. Hein. Particulièrement sur un crâne d'adulte. On pourrait avoir ce côté effectivement. Voilà, un côté un peu plus relâché quand même. Hein, voilà. Côté un peu plus relâché sur le crâne. Comment je vais faire ça? Ouais, plus comme ça quoi. Ouais. Je vais partir là-dessus. Ouais. Ouais, ça suffit. Allez. On va se dire que c'est ok. Donc là, tout ça, ça va être dans l'ombre. Clac-clac. Ouais, c'est stylé. J'aime vraiment, vraiment bien la pose. Ouais. C'est vraiment cool. Hein. Après, voilà quoi. Est-ce qu'au niveau des jambes, on essaye de rester un petit peu plus? Parce que là, je la fais marcher. On peut se faire une petite V2 aussi. Je peux tenter la V2. Avec une pose, justement, plus proche de l'origine. Où je rapproche les jambes. Et ça pourrait être pas mal. Je vais juste le tenter. Parce que j'aime vraiment bien en fait ce qu'elle a fait là. J'aime bien ce côté effectivement avec les deux pieds un petit peu resserrés dans un petit côté délicat, c'est sympatoche. Là, ça fait un petit peu genre, ah, je m'envole. Les ailes de la mort, tout ça. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même pas le dessin d'origine. Hop, on va dégager ça. Là, voilà. Du coup, si j'essaye de garder ça, on va lui donner un petit côté victoire de Samothrace. Pour ceux qui ne connaissent pas la victoire de Samothrace, c'est une super belle statue. Oh, mais oui, Anaïs. Anaïs qui me dit, c'est peut-être le crâne de son enfant. Ah. Alors là, si tu veux, tu me poses un gros problème, Anaïs. Alors, parce qu'à la fois, je te remercie, à la fois, je te remercie pas. Hein, parce que à la base, j'étais juste vraiment partie pour faire un petit dessin sympatoche, tu vois, basé sur un truc existant et juste je le refais dans mon style. Mais là, tu me mets du lore. Voilà. Et tu vois, il y a l'espèce de créature en moi du chara-designer qui vient de ressurgir. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Je voulais pas faire de concept art à la base. Ah, mais l'idée, elle est trop bonne. Ah, putain, l'idée est trop bonne. Ah, mon dieu. Ah non, mais je suis obligée. Je suis obligée, je vais faire un Skull 2. C'est genre obligé. Bon, bah, on est parti pour un crâne de bébé, hein. Je suis désolée. Hein. Mes excuses de base aux gens qui n'étaient pas venus sur ce live pour avoir des trucs glauques. Bon, bah, désolée, la dame, elle tient le crâne, donc, de son bébé. Donc, comment on fait un... Désolée, voilà. J'accepte tes excuses. Donc comment qu'on fait un crâne de bébé? Mais on va garder à peu près les proportions, hein.
Parce que vraiment, hein, pour le coup, un crâne de bébé, ça va être comme ça, en fait. C'est la portion des yeux, en fait, sur un crâne de bébé est bien, bien plus grande que pour un adulte. Donc on va vraiment se retrouver avec quelque chose de staccabi. Là, le front est très, très rond sur un crâne de bébé. Très, très rond. On pourrait lui faire un petit côté un peu étonné, genre « Maman, pourquoi tu m'as tué, maman ?» Oh, c'est glauque. C'est tellement glauque. Et du coup, on va faire donc le nez. Alors le nez, mettez pas d'arêtes, d'accord? C'est les arêtes que vous avez ici, en fait, ça dépend certes du type. Évidemment, ça y est, salut Antiope, le crâne d'un enfant. Mais t'es génial, mais t'es un génie. Mais t'es un génie. Ah, oh, oh, c'est beau. Bon bah tu vois, Anaïs, t'as Metal Game. T'as complètement Metal Game. Voilà, c'était bien, effectivement, le crâne d'un enfant. Donc du coup, mettez pas la petite arête qui est ici sur un crâne de bébé. Parce que du coup, les crânes de bébé, c'est comme la plupart des crânes asiatiques ou des crânes africains, en fait. L'arête du nez ici, d'accord, c'est vraiment quelque chose qui est très très propre au type caucasien, d'avoir cette grosse arête comme ça sur l'arcade du nez. Et du coup, les bébés, ils l'ont pas encore, ça. Voilà. Donc faites juste un trou. Et du coup, on va avoir... Hop, ben, on va avoir juste ça, en fait. Oh, c'est tellement la glauquerie! Pareil, les pommettes, hein. Vous faites jamais de pommettes saillantes sur un crâne de bébé. Cette caractéristique-là, c'est un truc qui va avec l'âge. Voilà. Les bébés, c'est assez plat. Hop. Hop. Et voilà. Et pareil, la tempe, l'os temporal. Hein. Hop. On va installer ça comme ça. Et derrière, on va avoir ça. Ah, alors du coup, ça va quand même changer pas mal de trucs, là. Parce que du coup, s'il y a ce côté-là, est-ce que je la fais traumatisée? Est-ce que je la fais en mode « c'était nécessaire » Ah putain, comment j'ai travaillé ça? Ah, je voulais pas mettre du lore à la base. Je vous adore et je vous déteste. Ah. C'est normal de pas étudier nécessairement, enfin, comment dire. Quand on dessine, la plupart du temps, voilà... À moins que tu veuilles vraiment un gros background sur certains trucs, ou voilà, qu'il y ait vraiment une idée de chara-design derrière, justement, c'est le genre de truc auquel tu réfléchis pas et c'est pas très grave. Et on va être clair, Eva, enfin, je sais pas si je t'appelle Antiope ou si je t'appelle Eva, du coup, mais par contre, comment dire, merci. Ah, oh, du café, plus de café, le café, c'est le bien. Et merci. Du coup, comment dire, à moins vraiment de vraiment partir sur quelque chose de très très spécifique, ce genre de détail tu le feras pas, et à moins d'être vraiment un dessinateur un peu plus chevronné ou un concept artiste, on va être clair, les gens lambda, ils auront pas repéré ça, d'accord? Ils auront pas repéré ce détail, tu vois, sur les dents. Tu vois, ils verront que c'est un petit crâne, ça c'est sûr, mais voilà, moi je pensais effectivement, c'était à cause des dents en l'occurrence, que t'avais fait la boulette de faire une tête de, tu vois, une tête un petit peu trop petite. Mais je pense que les gens lambda, ils ont vu qu'effectivement c'est... C'était peut-être une tête de bébé, quoi. Donc par contre, si ça t'intéresse, bah effectivement, tu peux regarder ça. Alors je te conseille bien évidemment de regarder tout ce qui va être Amérique du Sud. Tout ce qui va être effectivement les crânes retrouvés dans les cénotes, dans tous les bébés voilà, sacrifiés, etc. Tu peux également regarder tout ce qui va être dans l'Antiquité. Ils avaient retrouvé des cimetières d'enfants, des cimetières grecs. Vraiment c'était le carré en fait spécifique pour les enfants, et donc forcément il y avait beaucoup de bébés qui mouraient en bas âge. Donc tu peux y aller là-dessus, hein, si tu retrouves ces images d'archéologie. Tu trouveras plein de petits crânes. C'est très très glauque. Entre parenthèses, il y avait un cimetière comme ça qu'ils avaient retrouvé, où littéralement il y avait 6 couches de tombes superposées. C'est absolument merveilleux. J'imagine bien la gueule des archéologues, après tu dors bien la nuit, quand t'as fait ce genre de découverte là. Oui, je connais ta passion pour les crânes, effectivement. Ouais. du coup, c'est sa maman. C'est sa maman. Donc, la question étant, est-ce qu'elle aimait son bébé? Ou est-ce qu'elle s'en foutait de son bébé? Parce que là, elle regarde pas spécifiquement le crâne, en fait. Le regard est assez dans le vide, en fait. Elle est très... au niveau de la forme de son visage, hein, tu vois, au niveau de la forme de ses yeux, tout ça. Elle a un regard très doux, tu vois, mais son regard, tu vois, il est presque plus vers le haut, en fait. Elle regarde quelque part au-dessus, en fait, du crâne, elle le regarde pas vraiment.
Donc, tu vois, après, est-ce que je lui descends justement un petit peu le regard, histoire justement qu'elle le fixe, genre vraiment directement? C'est une excellente question. Tu vois, pareil, est-ce qu'elle a des regrets? Tu vois, quand on a des regrets, en général, on a tendance à regarder sur le côté. Justement, elle va essayer de regarder plutôt vers le bas, tu vois, un petit côté un peu honte. Genre, oh non, je n'ose même pas te regarder, mon enfant. Ah, c'est dur. Tu voulais faire quoi à la base? C'est la Llorona, ouais. Il y a plein d'adaptations après. Ah. Pas de regret. D'accord, il fallait le faire. Donc il lui faut un regard déterminé. Donc quelque part c'est cool parce que ça va aller super bien avec la pose que je lui ai fait là. Avec la tête, voilà, plutôt penchée comme ça et le regard qui remonte. Maintenant effectivement, si déterminée, sereine par rapport à ça, est-ce que je la fais du coup? Je vais le tenter comme ça, je vais y apporter une petite modif du coup. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Alors attends, du coup j'ai oublié les jambes pendant 2 minutes. Je vais me focaliser sur leur relation. Parce que j'aime bien le côté peut-être que la tête soit légèrement penchée. La tête légèrement penchée évoquera toujours l'empathie. Ça va être la pitié, ça va être je te comprends, je sympathise. Voilà, qu'il y ait un petit peu ce côté-là, ce qui peut ne pas empêcher la détermination. Et je pense qu'on va créer. Oh ouais, on va faire ça. On va créer une expression faciale subtile. Ça, c'est toujours fun. Ah, c'était pas dans ce sens. C'est je te fixe plus. Je tiens ce crâne en étant en pleine réflexion. Ouais. Moi, du coup, je vais pas partir sur cette direction-là. Parce que mine de rien, j'aime bien toujours mettre des choses un peu ambiguës. Et là, je pense que je vais garder la tête que j'ai fait, qui est penchée sur le. Alors, je vais faire face. Qui est penchée sur le côté. Pas face comme ça. J'en ai déjà fait un. Boulet. Je vais faire la tête qui est légèrement penchée sur le côté. Genre comme ça. Mais. Attends. Du coup, je vais décaler ça via la copine. Attends, je vais la choper via la ta. Nom de Dieu, viens là. Attends, je vais faire mieux que ça, mais je vais la copier et puis je supprimerai cette copie. Comme ça, je garde la position d'origine. Je vais garder le visage comme ça, histoire de pas faire voilà, de faire d'incohérence ou de trucs qui colleraient pas. Je vais juste dégager ça. Et face. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la rendre empathique. En lui penchant la tête sur le côté. Je vais marquer ça parce que j'ai forcément oublié. Elle va être. Non, pas empathique avec un A, non. Empathique. Elle va être empathique. Elle va être déterminée. Né. Il faut qu'on sente un côté. Je sais pas. Pas triste, mais ouais, mélancolique. Mais mélancolique, genre un peu beauté de la mort, quoi. Genre un peu les vanités, ou. Voilà, qui est un peu ce côté mélancolique. Si je fais une faute d'orthographe, vous avez le droit de me fustiger en place publique. Oui, c'est comme ça. Je vais marquer ça dans un coin parce que j'ai forcément oublié comme une grosse neuneuf. J'ai forcément oublié. Pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Voilà. Donc du coup, si je garde ce côté-là, si je garde ce côté-là, je vais pencher donc la tête. On va reprendre la structure du crâne. Hein. Ok. Donc s'il faut que je penche la tête, on va être dans ce sens-là. Et oui, je penche la tête quand je fais un personnage qui penche la tête. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Elle a un visage doux. Regardez ça, avec un petit menton assez rond. Pas une mâchoire carrée. Hein. Une mâchoire délicate, ronde. Voilà. On va garder ce côté-là. Et pas agressive, quoi. On va garder ça dans l'arrondi. Donc ensuite, on est sur un trois quarts assez prononcé. Moi, je vais le garder ce côté-là. Je vais garder le trois quarts prononcé. Je vais lui faire le nez qui va être dans ces eaux-là. Donc elle a un petit nez mignon. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez ma hantise des petits nez mignons. Je ne suis pas douée en petits nez mignons. Je n'aime pas les petits nez mignons.
voilà. On va faire ça comme ça. Un petit néon. Ok. Après, elle a pas. Ok, elle a des pommettes quand même. Un petit côté pas cadavérique, mais bon, elle est émaciée quand même. Un petit peu juste ici. Enfin, en tout cas, elle a des pommettes qui remontent. Pas que je rate ça quand même. Parce qu'elle est subtile ce visage. Tu t'es basé sur une photo du coup ? Inspiration vanité, oui, ça m'étonne pas. Ça, effectivement, ça ne m'étonne pas. Mais ouais, du coup, tu t'es inspiré d'une photo ou t'es parti vraiment à la zob ? En plus, faut que je retrouve l'étrangeté des yeux, parce qu'ils sont étranges, c'est pas des yeux anatomiques. Je vais juste baisser un peu le sourcil. Inspiré des visages World of Warcraft. Ah, t'es parti d'une undead. Ah, c'est trop bien. Les undead, c'est le bien. À la base, j'étais parti pour faire une undead d'ailleurs quand World of Warcraft est sorti. Et puis finalement, les trolls m'ont trop séduite. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. On va lui remettre un nez. Un nez qui est assez droit quand même dans l'arène. L'arête, hein, quand même. Il est pas si. Ah, il est pas si petit nez que ça en fait. On prend ça comme ça, voilà. Alors, niveau de l'œil, hein, on est très très effectivement sur le bord. Et. Voilà. Je trouve une forme de paupière qui va pas tout niquer par contre. Parce que j'aime bien ce côté où la paupière en fait est tirée comme ça. Mais non, normalement, la paupière elle peut pas aller jusque là. On sent qu'il y a une espèce de scarification ou quelque chose qui a tiré la paupière beaucoup plus loin que ce qui était censé être. Ouais, il faut que j'arrive à retrouver cette forme supra sympa. Parce qu'elle est vraiment supra sympa. Faut pas niquer ça. Ouais. On va reprendre ça, on va reprendre ça, on va reprendre ça. Là, on a cette espèce de courbe contre courbe qui est juste là. Voilà, nickel. Et pour le reste, hein, désolé, je fais l'œil à ma sauce. Hein. Là. Et après il y a le sourcil. Déjà la question est-ce que je lui fais un sourcil ou pas? Et après c'est feel free, yes. Donc, effectivement, c'est pour ça que je trouve ton personnage intéressant. Voilà. Je vais peut-être lui faire un côté un peu effacé comme ça. Pas forcément très très marqué. Assez, peut-être assez fin le sourcil. Là, je pense que ça va passer pas trop mal. Oh. Ouais. Ouais, 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 on a quelque chose. C'est pas trop mal. Hein. Un truc un peu arrondi comme ça. Faut lui faire un côté bizarre de toute façon. Alors, petite gruge pour la bouche. Tu pars du milieu du nez, tu traces une diagonale. Et on installe effectivement le centre de la bouche ici. Il faut vraiment comprendre que la bouche, c'est un volume supplémentaire qui se rajoute. Donc il faut vraiment le rendre, ce volume-là. Bon, alors en même temps, j'ai pris un vieux screenshot, hein, j'avoue, sur Insta. Donc c'est pas non plus la qualité de la vie, hein. Mal. Yep. Yep. Ok. Ok. Alors, tant qu'on en est à faire des corrections anatomiques, hein, ce serait bien que je reprenne le coup. Parce que le coup là, c'est de la merde. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais c'est du caca. Et puis je vais reprendre les proportions anat aussi. Parce que ta tête, elle est un tout petit peu trop grande. Moi je vais repartir sur 8 têtes. T'as fait une. Comment dire, t'as fait une grosse tête. Hein. Là. Moi je vais vraiment repartir sur 8 têtes. Par contre je vais peut-être descendre ça. Je vais garder l'emplacement de base. Voilà. On va reprendre une espèce de truc comme ça. Puis après je verrai à la colo ce que je rattrape. Mais en gros la base du cou, tu vois, elle devrait être là.
Du coup, elle est forcément un petit peu plus... un petit peu plus par là. Tout comme... Le fait que l'oreille est là, même si on s'en tape, puisque de toute façon, bah, cheveux, hein. Pas trop mal. Hein. Du coup, faut que je rabote ce truc-là. Ouais, ça marche pas trop. Pas trop trop mal. Ok. Ok, de toute façon, le visage, le reste, je le retoucherai après. Je le retoucherai après. Donc ça, je vais peut-être le garder comme ça. Ok. Ok. Alors du coup, avant que j'avance un petit peu plus, on va peut-être tenter de reprendre un chouïa les jambes. Toujours pas les jambes. Pour être exact, la pose 1 des jambes, elle est pas mal. Masse. Masse, masse, masse. Je me demande si effectivement garder ce côté un peu sculptural comme ça, un peu plus posé, ça fonctionnerait pas si mal que ça. Oh non, tes proportions anates, elles sont bien. Hein. Après, il faut jamais avoir peur de... Comment dire? Jamais avoir peur de tricher sur certains trucs. Hein. Là, je dis ça parce que moi, j'ai envie de partir là-dessus, hein. Mais soyons bien clairs, oh putain, ta mère. Tes proportions, elles sont bien, hein. Faut pas avoir peur de modifier des trucs, ou... tu vois, de bouger les choses. Parce que tu vois, elle est assez mince, hein, mais je pense que je vais là... Je pense que je vais lui mettre le ventre en avant. Qui va renforcer un peu le côté glauque, hein, parce que bien sûr le ventre c'est la maternité, mais enfin du coup il y a une espèce de côté un peu sexuel. Hein. J'aime bien le fait aussi qu'elle est, déjà elle est jeune, en fait elle a une poitrine assez petite. Sous-entendu, effectivement le gamin n'a pas eu l'âge d'être, on va dire, suffisamment grand pour qu'elle ait pu allaiter en gros. Mmh. Ça peut être pas trop mal. Du coup, qu'est-ce que je fais de l'autre jambe? Je vais faire leg 2. Leg. Leg test. Qu'est-ce que je vais faire avec cette jambe? Qu'est-ce qu'on va faire avec les jambes? Parce que j'ai une jambe qui est là. Et qui, en fait, en vrai, je déteste pas. Alors, attends. Si déjà je reprenais ça. Après, ça va dépendre à quel point je lui fais... Ça va dépendre à quel point je lui fais un bassin filiforme. Parce que ça pourrait être intéressant qu'elle ait ce bassin un peu filiforme, justement. Hein. Histoire de renforcer le fait que c'est qu'une jeunette, en fait. C'est toujours pareil dans le côté glauquerie. Ah. Ça peut être assez sympatoche. Hein. Elle est peut-être pas des hanches hein, si énormes que ça. Ça pose des questions quand même là. Ça pose des questions. Alors les côtes, c'est pas là, c'est pas là. Ok, donc cartilage. Cartilage. Poitrine. Okay, petite poitrine. Petite poitrine. On raccorde. On raccorde. Le cou, les petites épaules. Les bras un petit peu bouleux. Je vais pas lui faire un dorsal de la mort non plus. Il faut que j'arrête de faire des dorsales de la mort à mes personnages. J'aime bien les gros dorsaux, je trouve ça classe. Mais bah, c'est pas adapté. Et on va avoir ça. On va avoir bien sûr les clavicules en V. Nous sommes sur un personnage féminin. Peut-être lui faire un cou un peu chelou comme ça. Je vais garder le cou un peu chelou. Il est chelou, mais ça me plaît. C'est pas anatomiquement juste, mais encore une fois, Osef. Hein. Il faut vraiment pas avoir peur hein, de modifier la nappe. Du moins, vous en avez conscience, en fait. Si vous avez conscience de modifier un truc, ça va le faire. Parce que vous le faites pour des questions de visibilité et tout ça. Si effectivement,
comment dirais-je. Si vous vous en rendez pas compte, par contre, ouais, là, c'est généralement là où on fait des grosses conneries. Mais si vous voyez en fait que vous avez exagéré quelque chose et qu'en fait ça rend mieux comme ça, bah corrigez pas l'anatomie. Hein. Si c'est plus joli, si c'est mieux, si c'est plus intéressant, voilà, faut surtout pas hésiter. Quoi. Je vais lui faire croiser les jambes. Je vais définitivement lui faire croiser les jambes. Par contre, à quel point je lui fais croiser les jambes? Je pense que la jambe de devant que j'ai fait là va devenir la jambe de derrière. Il faudrait que je lui trouve... Oh putain, attends, du coup ça va pas être leg, ça va être body test. Hein. Je suis juste en train de refaire tout. Comment je vais lui faire ça? Parce que j'aime bien effectivement le côté qu'il y a un pied qui revienne un petit peu devant. Est-ce que je peux juste lui faire les genoux côte à côte en fait? Je suis pas obligée d'en faire passer un derrière. Il faut juste qu'il y en ait un petit peu plus devant et c'est à ce moment-là où on fait le croisement. J'aurais genre une jambe comme ça. Voilà. Alors, on va agrandir le bousin. Parce que je commence à manquer de place. BG Blue. On va agrandir ça. Tac, tac. Voilà. Verrouiller. Brush. Comment je vais lui faire ses jambes à la madame? Faut garder ce côté un peu délicat. Attends, j'aimerais afficher le dessin d'origine. Je pense que ce que je vais faire, j'étais sur le beau. Oh. Ouais, en fait, il faut que je garde cette jambe tendue. Je suis en train de dessiner en bleu, je suis un boulet. Je vais garder cette jambe tendue, juste celle-là, que je vais faire, donc celle de derrière. Je vais faire aller jusqu'au... Eh ben non, je peux pas. Je peux pas parce que contrapposto de ses morts... Contrapposto de ses morts, et ben non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Non. Il faut que je garde cette hanche plus haute, sinon ça va puer du cul. Je voulais un truc dynamique, je voulais un truc dynamique. Voilà, donc. Est-ce que je la fais avec une légère plongée? Je la fais avec une légère plongée. On va faire ça un peu comme ça. Du coup, cette jambe va être en appui. Et cette jambe va aller chercher derrière. Mais est-ce que je fais croiser? Ha! Ha ha! Et je sais pas. Ah là! Je suis bien dans la merde. Parce que si je repars d'un sol, on va dire... genre si je te fais un sol un peu à la zob... Je peux pas faire un sol écrasé comme ça en plus, je dis une connerie. Parce qu'on a dit qu'on faisait une légère plongée. Donc je vais pas non plus étirer la perspective comme une folle furieuse parce que ça va pas être beau. Donc il va falloir ramener le sol. Il va falloir ramener le sol ouais, sur un truc plus même. Oh, non, il va falloir que ce soit bien plus. Non, pas moins. Pardon. Il va falloir que ce soit vachement plus que ça. Vachement plus écrasé. Que ce soit un truc vraiment genre comme ça. Ouais. Parce qu'on est, on est en dessous d'elle, en fait. On est plus bas. On est un tout petit peu plus bas. Je pense que je vais fonctionner comme ça. Je vais partir comme ça. Je vais faire des pieds. Attends, je vais dégager celui-là, ce qui m'emmerde en vrai. Ouais, non, mais si, il faut qu'elle passe derrière cette saloperie de jambe. Il faut tellement qu'elle passe derrière. Ça partait d'un bon sentiment, hein, mais en fait, ça va pas. Il faut tellement qu'elle passe derrière. Et il faut que celle-ci passe devant. Alors, je vais encore faire un cul. Voilà. Hop. C'est pas possible de faire des culs comme ça. Faut que j'arrête de faire des culs comme ça. Tiens, j'ai même lui faire une culotte de cheval, tiens. Allez. Je sais pas pourquoi, dès que les culs sont trop maigres, j'ai l'impression d'avoir fait une faute anatomique. Alors que non, on a le droit d'avoir un petit cul, hein, c'est pas... Mais je sais pas, j'ai un problème avec les petits culs, j'aime bien les gros culs. Voilà. Et je pense que du coup, arrivé là,
Arrivez là. Vous voyez pourquoi faut pas me lancer sur du chara-design? Faut pas me lancer sur du chara-design. Après, ça n'en finit plus. Normalement, j'aurais dû attaquer la colo, là. Il me reste une demi-heure, je vais pas attaquer la colo. Ah ah! Je vous adore. Je vais faire des bans maintenant, je vais vous obliger à être en mute. Hop. Si je repars comme ça, ça lui fait une jambe trop droite maintenant. Non, c'est pas grave. Allez. Vous savez quoi? Je vais être sérieuse pour une fois. Voilà. Je vais dégager ça. Je vais reprendre mon truc de base. Mon Pascal. Ruff. Voilà. Donc, je fais quoi sur le ruff 2? Non, je vais reprendre les jambes du ruff 1 que je vais coller sur mon ruff 2. Et on va partir avec ça. Voilà. Parce qu'à la base, j'ai envie de faire de la colo. Donc, on va faire de la colo. Donc, CTRL-C, CTRL-V. On va remonter body test. On va cacher ça. On va désélectionner. On va décaler. Non. Oui. On va décaler. Voilà, et donc la madame, elle marche. Voilà. Parce que c'est comme ça. Voilà. Puis ça, je vais dégager. Puis ça aussi. Casse-toi. Voilà. Impeccable. Et en fait, il faudrait que je prenne les morceaux de bras aussi, en vrai. Ce serait bien, non? On va prendre les morceaux de bras, quand même. Donc, on a un morceau de bras de la madame qui est là, et on a un morceau de bras de la madame qui est là. Donc, c'est CTRL-V. Et voilà. Eh bien, nous sommes pas mal. Ok, vendu. Donc, body test, layer 10, layer 11, CTRL-E. Ta-ta-ta! Body. Impec. Du coup, ça je le cache, ça je le cache pas. Face, ok. Et la madame qui est ici, ta-ta-ta-ta, on la chope et on la dégage. Voilà. Ta-da-da. Bon, ben on est pas mal. En vrai, on est pas mal. Donc, tissu. Tissu. Donc le tissu. Vous avez deux façons de faire le tissu pour avoir un tissu efficace. Alors là, je parle au digital painting. La première façon, c'est de faire votre croquis. C'est généralement ça que tout le monde fait. Voilà. C'est-à-dire de bien faire vos traits, vos machins, vos bidules. Moi, j'affectionne pas particulièrement ça. En général, ce que je vais faire, c'est une zone globale. C'est-à-dire que je vais définir un petit peu comment le tissu s'accroche. Voilà. Moi, pour le coup, je vais peut-être le faire partir un peu plus... On va dire comme ça, si je le prenais d'ailleurs en rouge, je pense que je vais le mettre en rouge direct. Rouge. Voilà, carlate, ça se distinguera bien. Voilà. Donc en général, je vais plutôt partir d'une espèce de, vous voyez, de forme un peu, voilà, un peu globale hein, dans l'idée. Voilà. Et assez rapidement, en fait... Assez rapidement, une fois que j'ai un peu comme pour les cheveux, voyez, une fois que vous avez à peu près le comment c'est censé passer. D'ailleurs, le comment c'est censé passer, je pense que je vais partir sur une espèce de truc dans le genre, effectivement. Voilà. Et donc, une fois que vous avez globalement ce truc-là, moi, je suis pas très fan de faire les petits traits, les trucs comme ça. Visuellement, moi, ça me perd plus qu'autre chose. Donc, ce que je fais en général, c'est plutôt de prendre un bon gros pinceau des familles, genre ça. Et d'attaquer les hostilités directes en jouant en fait sur le fait d'appuyer ou pas sur le pinceau. Hop. Bien sûr, hein, il faut que vous ayez votre source de lumière en tête, hein, sinon ça va appuyer du cul. Donc là, je vais partir de là. Je vais partir du principe qu'il y a des trucs qui font le tour par là. Sur le corps. Donc, ça va venir par là. Voilà, là on a de la light, là on va avoir de la light. Voilà. Ok, donc là on a beaucoup plus de light. Clac, 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 clac. Hop. Voilà. Donc là on est dans le creux et là on est dans la light. Et maintenant on va être ici, on fait la même chose mais en plus petit.
Donc après, je ne sais pas si vous arrivez à me relire, mais là, pour le coup, moi, je me relis plutôt pas mal. Dans le sens où je vois bien où sont mes petits bourrelets, on va dire, de tissus. N'oubliez pas que tout ce que vous pouvez faire dans un sens, vous pouvez le faire dans l'autre. Hein. J'entends par là que tout ce que vous faites, vous voyez, en peinture, vous pouvez aussi le faire simplement en gommant. Si à un moment donné, vous avez le sentiment que vous êtes allé trop loin, ou que voilà, vous avez trop d'intensité, trop d'opacité, vous pouvez dégager le truc. Hello! Bonjour, Lord Vortigern, the ninth. Ninth. Voilà, et du coup, vous gommez ce truc-là. Ça vous donne vos volumes, vous vous cassez pas le cul. Ça vous donne en gros la forme globale. Et pourquoi j'aime bien cette méthode-là? Parce qu'en fait, c'est une méthode chaotique. Et j'aime le chaos. Voilà, le chaos, c'est le bien. Et comme c'est du chaos, en fait, vous allez pouvoir rebondir sur plein de trucs. Vous voyez, genre par exemple là, j'ai pas particulièrement fait exprès, on va dire, que cet endroit-là soit plus sombre que cet endroit-là. Mais du coup, ça me donne une idée. Le fait que, par exemple, cette partie du pan de tissu va passer par-dessus et que là, je vais avoir un pan de tissu qui va ressortir du dessous. Vous voyez? Ouh. Et là, ça crée quelque chose d'assez fun. Et c'est plutôt joli. Et comme donc toujours, hein, vous rappelez-vous que les niveaux de détail, hein, c'est couche après couche. Hein, vous essayez pas de l'avoir juste tout de suite. Voilà. Donc, si vous retravaillez ça, genre tranquillou, on va faire tomber le tissu sur la poitrine. Et donc, petit bout par petit bout, hop, ça va vous donner votre tissu. Et sur ce genre de choses-là, surtout quand vous avez un côté un peu, voilà, un peu fantasy, un peu d'un autre monde, un peu... Ah, Veldé, salut. Merci. Tu peux pas dire juste Veldé. Plus simple. Et du coup, en fait, voilà, si vous voulez effectivement avoir ce côté un peu flou, un peu chelou, un peu machin... Voilà. Et pareil, n'hésitez pas à faire des choses, comment je dirais, fausses. Alors qu'on se comprenne quand je dis faux, hein, mais à pas trop vous préoccuper de la physique du tissu. C'est pareil, vous vous en foutez un peu. C'est du moment que c'est joli, lisible, et que ça donne un beau mouvement. Privilégiez ça, privilégiez la lisibilité. Ça sera plus mieux fun. Voilà. Et donc, bien sûr, là, je travaille avec la gomme, et pas avec des nuances d'ombre, parce que le tissu, il est transparent, je rappelle. Donc le but, ça va être d'en virer des parties. Alors, comment on gère la transparence d'un tissu? En réalité, c'est super facile, d'accord? Les endroits qui seront les plus opaques, c'est 1. Là où la lumière va venir frapper, si elle frappe du dessus, de devant le tissu, et là où le tissu va se superposer. Et en gros, plus il y a de superposition de couches de tissu, d'accord? Bah, un peu comme là, hein, si je fais plusieurs calques, avec les choses se superposent, bah, copie, 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 et on va être de plus en plus opaque. Voilà, donc plus vous avez une couche de tissu qui se superpose, donc si un bourrelet se superpose à un autre bourrelet ou une autre partie du tissu, ben ça apparaîtra plus sombre. Et là où la lumière va venir frapper. Si la lumière vient frapper de devant, j'en ai réaliseur comme une coupe. Donc si ça vient frapper sur le dessus du tissu, ça va devenir plus opaque. Attention, si la lumière vient de derrière le tissu, c'est l'inverse. Le tissu va devenir transparent. Et là où la lumière va frapper, ce sera plus transparent. Pensez simplement à vos rideaux chez vous. Truc très bête, hein. Mais la nuit, si vous regardez les rideaux de chez vos voisins, la lumière qui vient frapper de l'extérieur va venir frapper les rideaux. Et vous allez voir les rideaux. Par contre, si votre voisin allume la lumière chez lui, d'un seul coup, le rideau va devenir transparent. Bon, bah voilà, même logique. Tu n'utilises pas la gomme mie-de-pain, dit Anaïs. Techniquement, j'ai pas besoin puisque je peux appuyer directement sur la touche E et ça va venir passer ma brush en fait en gomme. Voilà. Et du coup, je peux gommer effectivement les parties qui m'intéressent pas puisque je suis avec une brush qui a de la sensibilité à la pression. Ouais. La gomme mie-de-pain de Krita, je l'aime pas. Je dis tout de suite, c'est comme l'aérographe, je l'aime pas. Parce que c'est très flou, et les brushes floues servent à faire du flou. En aucun cas, elles servent à faire des dégradés. Donc si vous voulez faire votre personnage un petit peu en mode sfumato, vous voyez, un peu comme la Joconde de Vinci, c'était son grand truc, le sfumato, c'est lui qui l'a inventé d'ailleurs. Donc si vous voulez donner ce côté à moitié flou, à moitié perdu, voilà, vous pouvez utiliser ces brushes-là,
associer effectivement, en l'occurrence je vous conseille fortement avec des broches à l'huile, notamment celle-ci d'un Krita. Et vous allez obtenir voilà, ces côtés un peu flous, ce côté un peu halo lumineux, ce côté un peu dans la brume. Voilà, vous allez retrouver ce côté-là. Par contre, si vous voulez juste effectivement travailler des dégradés de couleurs, genre les dégradés de la peau, dégradés sur du tissu, etc., il ne faut jamais utiliser des broches qui vont vous faire des halos flous, des bordures floues. Ça va vous donner un truc immonde. C'est pas beau. D'ailleurs, tout Internet hein, regorge de ça. Si vous regardez vraiment concrètement des dessins sur Internet, des digital paintings, même peu importe, voilà, qui vous plaisent bien, vous allez très vite vous rendre compte qu'en réalité, tout n'est pas à base de dégradés. Que la plupart du temps, en fait, vous avez des arêtes bien nettes qui viennent séparer les choses. Et là, par exemple, si ça fonctionne bien, c'est parce que j'ai pas des bourrelets constants. Vous voyez ? C'est-à-dire, ici, je vais avoir effectivement un dégradé qui va aller de là à là. D'accord ? Qui va être bien constant. Pourquoi ? Parce que le pli, il est face à moi. Là, c'est pas le cas. Je vais avoir des plis très très resserrés les uns par rapport aux autres. Donc je vais effectivement, stratégiquement, me démerder pour garder les arêtes là. Vous voyez ? Et avoir un passage d'une nuance à l'autre qui va être plus net. Par contre, si je veux créer des choses un petit peu rigolotes... Je crois que je me suis plantée de couleur. Si je veux avoir des choses un petit peu rigolotes, ici, je vais garder le côté effectivement très 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 net, comme si le bourrelet s'était replié. Par contre, ici... Je vais dégrader. Et je vais dégrader mon rouge. Hop là. Voilà. Et c'est comme ça que vous créez des choses sympathiques. Voilà. Là, c'est pareil, vous voyez, je vais venir gommer, je vais venir tailler là, parce que forcément, les bourrelets sur cette zone-là, bah, ils sont tous rattachés sur l'épaule. Donc les bourrelets, ils sont beaucoup plus proches les uns des autres. Vous en aurez beaucoup plus. Alors que quand vous allez arriver vers le bas, le tissu se déplie. Donc vous aurez beaucoup moins de bourrelets. C'est QFD. C'est pour ça que je vous disais que le côté un peu aléatoire de la chose, faut pas le sous-estimer. C'est que si vous prenez tout de suite la tête à aller venir installer des jolis petits traits exactement à l'endroit précis où vous aurez votre bourrelet, vous allez vous enfermer dans une forme très rigide. Et cette forme très rigide, vous allez galérer votre mère à en sortir. Ça va pas être beau en fait. Vous allez trop essayer de vous conformer au bidule et ça appuie du cul. Que voilà, si vous vous laissez un peu plus porter, que vous rebondissez sur des accidents, bah vous allez voir que ça marche vachement mieux. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est l'étape 1. Alors là, vous voyez, par exemple, je vais travailler un peu le dessous de la poitrine. Voilà. Pour moi, il y a une espèce de petit bourrelet ici. Voilà, hop. Une petite bosse. Voilà, travailler cette petite bosse. Voilà. C'est un petit jeu de patience. Pas trop pressé, pas travailler avec une broche trop petite non plus. Je sais que vous avez tous tendance à bosser avec des broches trop petites. Arrêtez de bosser avec des broches trop petites. Bosser avec des grosses broches. Pareil, il faut arrêter de faire très, 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 très. Ça, c'est le mal. Voilà, quand vous dessinez, vous faites ça. Et j'ai pas levé une seule fois ma broche. Si vous faites des tas de petits traits, vous allez vous retrouver avec des colos qui ressemblent à des poils. Et c'est dégueu. Donc du coup, le dessus ici va être forcément un petit peu plus marqué. Et le dessous ici, un peu plus dans l'ombre, va être donc moins marqué. Donc voilà, ici, je vais diminuer un petit peu ça. Et venir reprendre, bien sûr, les bourrelets de tissu. Et eux, je vais les prolonger. Voilà, nickel. Je viens de regarder sans pouvoir écouter le son pendant ma pause du midi. Je viens... Ah, ça c'est dommage par contre. Les indications, ma foi, peuvent être fort utiles. Alors, je vais le marquer dans le chat. Toc. Au grave, mon cher. Tu pourras regarder le replay sur YouTube. Impec. Ouais, je vais essayer d'être un tout petit peu plus un petit peu plus régulière sur les replays. Vous avez peut-être pu constater que les replays, je les mettais pas forcément tout de suite, je les uploadais pas forcément tout de suite. Et puis que des fois, on va dire que ça mettait longtemps à arriver. Voilà, il y en avait qui manquaient, puis il y en avait qui n'arrivaient juste pas. Alors certains parce que j'ai paumé la vidéo, et je m'en excuse. Certains autres, effectivement, parce que j'ai des vidéos, mais genre, je l'ai pas fait tout de suite après le live, donc forcément ça s'est perdu dans les limbes. Voilà. On n'est pas trop mal. Hein. J'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. Alors, histoire de faire les choses propres. Alors, on va mettre de la peau, bien sûr. Donc là, nous avons une espèce de peau très cadavérique, hein, on va pas se le cacher. Hein. Elle respire pas forcément la pleine santé, là, madame. Donc, vu qu'elle respire pas la pleine santé, sa peau est très blanche. Et comme toute peau blanche, elle va venir absorber la lumière qui lui tombe dessus. Enfin, pour être exact, la renvoyer, c'est l'inverse, en fait. Donc, du coup, on va se retrouver, si on a une lumière verdâtre, un peu un vert d'eau, un peu, voilà, couleur un peu de pourriture, de corruption, on va se retrouver donc avec cette couleur ici au niveau de la lumière qui va venir taper direct. Je vais donc simplement aller la récupérer. Un peu plus bleu, vert, bleu. Est-ce que je pars sur un truc plutôt sombre? Je vais partir sur une teinte moyenne, hein. Je vais partir là-dessus. Du peu trop molle, c'est bien. On va partir là-dessus. De toute façon, c'est juste pour une base, hein, vu que la plupart étant... la peau va être globalement en dessous. On va pas non plus trop se casser le cul à faire les détails de la peau. Il faudra juste qu'au niveau des ombres, on soit pas complètement à l'ouest. Voilà. Clac, clac. Voilà. Et voilà, ça c'est pas trop mal. Son bras est un peu trop poqué. Je veux bien qu'elle soit effectivement jeune. Quand on est jeune, on a tendance à avoir un peu les bras potelés. Chez les filles, surtout. Chez les mecs, on est plutôt sec à l'adolescence. Et on prend de la carrure avec le temps. Chez les filles, on est plutôt potelé. Et après, au choix, soit on va grossir, soit on va devenir toute maigre. Voilà. De toute façon, le bras, il faudra que je le fasse passer par-dessus. Je crée un masque. Et maintenant, on va pouvoir placer les ombres. L'atelier a une chaîne. Alors, l'atelier a une chaîne, mais la chaîne, en fait, de l'atelier, elle est vraiment... Enfin, comment dire? Pour l'instant, c'est vraiment les news. D'ailleurs, je dois en publier une ce soir, sur vraiment, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'atelier, voilà, quelles sont les dernières nouveautés. On a pas mal de trucs qui, pour l'instant, sont des vidéos privées, parce que c'est des vidéos tuto qui sont réservées, on utilise beaucoup pour, en fait, distribuer, enfin, donner les... comment s'appelle? Les vidéos pour tous les gens qui sont en formation pro, par exemple, mais c'est que des vidéos cachées. Et on a effectivement, c'est en cours, le projet de faire des vidéos tuto sur la chaîne de l'atelier, spécifiquement sur du matériel. Ah, salut Ewilyn! Yes! Ah, c'est cool! Moi, je suis contente si ça t'aide. Et donc, du coup, en fait, on a commencé à faire ça l'année dernière, donc avec notre stagiaire Camille, à qui je fais coucou. Et donc Camille, elle a commencé en fait à faire des rushs en fait de vidéos où elle montre comment utiliser telle ou telle technique. Donc elle a fait avec du fusain, elle a fait avec du crayon, elle a fait avec plein de trucs comme ça. Et donc là, elle a commencé à dérusher tout ça et à monter des petites vidéos tuto pour expliquer bah voilà comment on tient un fusain, comment on utilise une estompe, etc. etc. Et sur du matériel vraiment très spécifique, dans le sens où c'est pas juste le fusain en général. C'est genre qu'est-ce qui se passe quand on dessine avec un fusain de merde, qu'est-ce qui se passe quand on dessine avec un fusain de grosse qualité. Histoire que vous puissiez vous situer par rapport à votre niveau et par rapport à vos attentes de qualité, et que vous puissiez choisir du matériel qui correspond vraiment à ce que vous voulez faire. Genre si vous voulez faire juste des petites aquarelles vite fait, un peu prises sur le vif, en vous baladant, je sais pas, dans le parc de procès, j'en sais rien, peu importe, vous n'allez pas avoir besoin d'une aquarelle extra fine de ouf qui va vous coûter 60 balles. Vous vous en foutez. Pareil pour les pinceaux, vous n'avez pas besoin de pinceaux de la mort qui vont coûter 16 balles l'unité. Vous aurez juste besoin, voilà, truc aquarelle de base, vraiment le, voilà, avec les 16 couleurs ou 18 couleurs, voilà, un petit peu plus de couleurs c'est toujours sympa, mais même 12 couleurs ça suffit, le machin qui va vous coûter 10 euros. Et pareil, après vous prenez un pinceau rond, un pinceau carré, et puis voilà, en avant-guingant, vous partez dans le parc et vous dessinez. Vous n'avez pas besoin de plus. Franchement, vous n'avez pas besoin de plus. Mais du coup, on se fait pas mal avoir, parce que forcément, vous allez aller en papeterie, puis il va se passer deux choses. Soit vous allez tomber sur un gars qui a été embauché, mais voilà, clairement, il a aucune foutue idée de ce dont il parle, il a aucune notion d'art plastique, et bah, il va vous orienter vers le rayon et vous dire « Ouais, ouais, ça c'est pas mal, ouais, ça aussi, on m'a dit que c'était plutôt pas mal, donc ouais, ça c'est pas mal. » Voilà. Soit vous allez tomber sur le même, mais qui prend une commission, donc du coup, il va vous balancer sur du matos, voilà, genre vraiment beaucoup trop cher. Soit vous allez tomber sur un étudiant en art plastique qui, comme tout étudiant en art plastique, a envie de bosser avec de la qualité et il va vous conseiller pareil les marques les plus chères parce que genre ouais avec ça vous allez voir c'est le top du top, ouais mais vous avez pas besoin du top du top. Voilà, donc c'est un peu le un peu la roulette russe là-dessus, c'est pas forcément tip top quoi.
Donc voilà, histoire d'avoir un conseil de qualité, genre de qualité atelier, on va vous proposer ces petites vidéos-là. Mais vous les attendez pas avant un petit moment, par contre. Hein. Ça, je vous le cache pas, voilà, que comme du coup, c'est Camille qui s'en occupe, parce que moi, j'ai clairement pas le temps de m'en occuper. Bah, du coup, on fait ça au fur et à mesure de ses stages. Et bah, du coup, voilà, encore faut-il qu'elle puisse faire des stages. Voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, quoi. Ah, Fave qui dit qu'elle a failli passer nous voir à l'atelier pendant les vacances. Ah bah oui, le confinement, oui. Ah bah non, mais tu pourras pas passer à Noël non plus, hein. On est fermé à Noël. Parce que on fait Noël aussi. Et puis bon, on va pas se le cacher, avec les mesures sanitaires. Voilà, c'est... ça va être un peu compliqué, quoi. Ça va être un petit peu compliqué. Moi, je pense que... Enfin, franchement, je sais pas comment vous le sentez, hein, mais bon, pour moi, on va se revoir en janvier, quoi. En présentiel, hein, faut pas trop rêver là-dessus, quoi. Ok, donc niveau du corps, on n'est pas trop mal. Je vais voir en dessous ce que ça donne. Yam yam. C'est très brouillon cadavérique. Hein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà. Da-da-da-da-da-da. Ah, mais elle est moche, l'anatomie. Oh. Ouais, non, ce bras, il est dégueu. Ouais, on va raboter ce bordel. Casse-toi. Voilà, c'est mieux. Il y a la pipette. On va te faire un bras normal, madame. Promis. Promis, on va te faire un bras normal. Alors, du coup, on a forcément entre la poitrine. Je lui ai encore fait un bonnet, je sais pas quoi. D'accord, on avait dit qu'on partait sur un petit bonnet B, poitrine juvénile. On a dit une poitrine juvénile. D'ailleurs, entre parenthèses, je viens de me rendre compte d'un truc assez con. Mais en fait, techniquement, je suis pas censée vous montrer la poitrine sur Twitch. Est-ce que vous vous sentez offensé? Ça va, c'est caché sous le tissu. Donc on est d'accord qu'on voit pas vraiment la poitrine. On est d'accord que ça passe. Vous allez pas me report. Vous êtes gentil, vous allez pas faire ça. N'est-ce pas? Hein? C'est mieux C ou D. Comment ça, c'est mieux C ou D? À quel niveau, mon cher? Je ne comprends point le sens de ta phrase. Non, vous vous sentez pas offensé. Tant que tu fais pas les tétons. C'est pas faux, en plus. Mais le pire, c'est que je crois que là... Enfin, en gros, on n'a pas le droit non plus de montrer le dessous de la poitrine ou un truc comme ça, mais... voilà, je sais pas si leur politique a évolué à ce niveau-là par rapport aux dessinateurs. Hein. Parce que je sais qu'effectivement, pour tous les gens qui faisaient du broadcast d'événements sportifs, où forcément, bah, il y a des gens qui sont en short, il y a des gens qui sont en caleçon, les nageurs, tout ça, les lutteurs, enfin voilà, il y a pas mal des sports où on est à poil. Et puis bien sûr, les dessinateurs, voilà, je sais que ça... Enfin, ils étaient au courant que ça posait quelques menus soucis à la commu. Par contre, je sais pas du tout si entre-temps ils ont modifié ça ou qu'ils ont fait quelque chose. Je sais pas du tout. J'ai pas re-regardé la politique de confidentialité. Par contre, comme je vous dis, j'ai pas trop me casser le cul sur la colo parce que la moitié est en dessous. Donc, j'ai juste essayé d'avoir des ombres un petit peu jolites. Hein. Voilà, essayer de faire des trucs un peu comme ça avec des variations. Avec des variations d'ombre. Body est là. Ouais. Faire ça comme ça. Et si je repasse le tissu par-dessus? On est pas mal, bah on va baisser l'opacité. Oh yes. Yes. Ok, bah on est pas mal. Moi je dis on est pas mal. Voilà. Là on a le ventre. Attends, je suis pas en train de le prendre en route. Là on a le ventre. Faudra que je marque le pubis, hein, ça bien sûr, évidemment. La jonction de la jambe, mais j'ai pas forcément envie d'aller plus loin que ça, en fait, ça va tout niquer après. Ça va genre vraiment tout niquer. Je vais quand même baisser l'opacité de ce truc-là. Je vais lisser artificiellement un peu plus ce qui est derrière. Ouais, je pense que je vais légèrement la... Je vais l'éclaircir, en fait, même si elle devrait pas être claire comme ça. Normalement, elle devrait pas être claire comme ça, mais je pense que je vais le faire. Je vais assombrir ce truc-là, histoire voilà, de créer du contraste. Voilà. Ça renforcera le côté un petit peu flou. Voilà, que j'aime bien le petit côté un peu flou. Alors, on va pas forcément aller plus loin que ça. Je vais peut-être même la dissolver un peu. Oh, ça pourrait être fun, ça. Ça pourrait être fun. Ouais. C'est pas mal, ça. Ouais, j'ai pas allé plus loin que ça. Donc là, vous voyez, j'ai baissé un tout petit peu l'opacité.
Et je vais passer au-dessus et je vais améliorer le détail. Détail tissu. Toc. Ta-ta-ta. Je m'entends mal avec les tétons. Tu t'entends mal avec les tétons parce que t'arrives pas à les faire ou tu t'entends mal avec les tétons parce que ça te gêne? Attention. Ça va se battre sur les tétons. Non mais moi je préfère les tétons, hein. On va être bien clair. Hein. Les tétons c'est tout de suite beaucoup plus intéressant parce que ça caractérise aussi la poitrine, parce qu'il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de poitrines. Et donc moi je trouve ça effectivement intéressant de, bah, de prendre en compte effectivement le, bah, la forme du téton, la taille du téton. C'est assez fun. Mais bon malheureusement, voilà. C'est vrai qu'en France on est quand même global. Ta mère, il se passe quoi là? Ah putain, je suis en tissu. Excusez-moi, pardon. C'est vrai qu'en France, on est quand même pas très, voilà, on est effectivement pas très puritain, hein, ça c'est certain. On a beaucoup beaucoup moins de problèmes avec la nudité que dans beaucoup beaucoup de pays, quoi. C'est vraiment étrange ce rapport à la nudité. Je comprends pas trop en fait. Voilà. Et donc là, vous voyez, je rajoute les éclats. Vous voyez, j'ai baissé l'opacité du tissu de base. Ok. Et là, en fait, je vais venir rajouter voilà, de la luminosité, là où il y en a. Mais voilà, pas rentrer dans les détails, rappelez-vous. Hein. Vous ne rentrez pas dans les détails. C'est quitte à dézoomer, d'accord? Moi, je suis un peu plus zoomée parce que je sais à peu près où je vais. Je sais à peu près ce que je veux. Mais si vous avez un doute, si vous avez vraiment peur de faire du caca cosmique, juste vous dézoomez. Donc là, ça va être plus sombre, forcément. Voilà. Impec. Donc l'avantage de dézoomer, en fait, c'est que vous n'allez pas vous retrouver là genre « Oh mon dieu, on voit les pixels !» Oui, effectivement, quand on est zoomé comme un bourrin sur son dessin, oui, effectivement, on voit tous les pixels. Mais ça n'a absolument aucun intérêt. D'accord? Votre dessin, il est censé être vu à cette taille. On est d'accord? Et quand il sera sur Instagram, il sera vu à cette taille. Donc vous pouvez m'expliquer l'intérêt d'avoir le micro-pixel qui va être tout nickel, scalé comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Personne ne va jamais regarder votre dessin à cette échelle-là. Non, donc ça n'a aucun intérêt. Intérêt zéro. Je vais repasser là-dessus, je vais repasser, et bien sûr, je vais venir mettre des ombres, parce que le tissu, c'est pas parce qu'il est transparent que les ombres vont pas s'appliquer dessus. Et donc là, je vais mettre cloth, shadow, non, tissu, je suis partie en français, tissu, shadow. Blop, voilà. Donc oui, les ombres s'appliquent dessus. Et en fait, ça c'est le truc, tu vois, c'est pour ça que ton dessin, j'ai trouvé super intéressant, parce qu'en fait, c'est le truc qui manque sur ton dessin d'origine. Tu vois, on va pas avoir l'ambiante, donc l'ambiante c'est la couleur des ombres, t'as pas l'ambiante de vraiment visible ici. Et du coup c'est super dommage, parce que du coup on perd le sens de vers où part le tissu. Ça et le fait que effectivement tu vois, t'as un bout de tissu qui arrive là, on sent pas le pli entre les cuisses aussi. Tu vois, et du coup c'est super dommage. C'est genre super dommage. Alors attends, hop, je remets ça, voilà. Donc l'ambiante, ta-da-da. Je vais pas me coller en multiply de suite, je vais rester en normal. Voilà. Et donc du coup, forcément, ce qui est derrière... Je suis conne. Voilà. Voilà, ce qui est derrière va donc choper la couleur d'ambiante. La couleur d'ambiante étant une espèce de bleuté... Bleuté rougeâtre, donc violet, en gros. Il y a un peu de rouge qui vient de derrière. Donc voilà, on va être dans ces eaux-là, à peu près. Et vous voyez, si j'avais été intelligent, j'aurais fait des petits swatches hein, avec la bonne couleur. Hein. Mais comme je suis con, j'ai pas pensé à le faire. J'ai pas pensé à le faire. Je vais juste me faire des pastilles, du coup. Je vais faire des pastilles. Palette ! Palette ! D'ailleurs, les palettes, entre parenthèses, vaut mieux les faire avec ce genre de truc-là, histoire de pas piquer un pixel qui n'y arrive pas. Et du coup, niveau violet, j'ai pris un violet assez chaud. Parce qu'on est vraiment sur un mélange, il y a quand même une prédominance de bleu. Donc je pense qu'on va être vraiment dans ces eaux-là. Voilà. Je vais me choper des trucs comme ça et peut-être un peu ça aussi. Oh, il est pas beau celui-là. Non, il ira pas. Comme saturé. Hein. Voilà. Un noir plus saturé, ce sera plus joli. Des satures trop le noir, ça rend des choses pas hyper jolies. Pas hyper jolies. Yes. Alors, du coup, si je fais ça, que je reviens là. Je vais verrouiller Pépère. Celui-là. Je
Ouais, c'est mieux. Oh putain, ouais, c'est tellement mieux. Ok, vendu. Vendu, vendu, on est good. On est good. Ok. Alors, je vais reprendre ma grosse broche. Voilà. Donc, je vais venir foutre un peu de violet. Mieux. On va venir foutre un peu du rouge. Mieux. Voilà. Parce que forcément, la lumière, elle vient taper à certains endroits. Et alors là, c'est là qu'on rentre dans le côté un peu... comment je vous dirais ça? Un peu plus difficile à gérer. C'est un euphémisme. Évidemment, c'est un euphémisme. Parce que vous devez à la fois gérer les dégradés au niveau de la couleur à ce stade, mais également les dégradés au niveau de votre transparence. Ce qui fait que si vous vous démerdez comme un cul, et ça arrive assez souvent, vous allez pas trop regarder ce que vous faites, et vous allez simplement color pick la couleur qui est ici. Sauf que la couleur qu'elle est ici, elle est mélangée avec le fond. Donc c'est pas la vraie couleur avec laquelle vous allez peindre. Ce qui fait qu'au début vous allez trouver ça cool, et quand vous allez virer le fond, vous allez vous retrouver avec un truc absolument dégueulasse, avec des couleurs qui, voilà, qui font n'importe quoi. Donc si vous savez que votre illustration sera nécessairement sur un fond et que ça bougera pas, je tentais de dire on s'en balèque. Si vous pensez qu'à un moment ou un autre vous aurez besoin de virer le fond, va falloir être un petit peu plus précautionneux quoi. Et donc travailler plus avec ça, et qu'en fait pas tellement color pick ici, vraiment color pick en fait vos couleurs de base. Et travailler avec la transparence de la broche, quitte à aller dans les paramètres de votre tablette et à venir augmenter la fermeté, histoire de déposer qu'un tout petit peu de pigment au fur et à mesure, ce qui est d'ailleurs ce que je m'apprête à faire. Voilà, ce que donc je viens de faire. Ce qui fait, vous voyez, quand vous passez comme ça, vous allez déposer un tout petit peu de pigment. Ça va vous permettre de travailler bien vos dégradés. Et quand votre dégradé, il est cool, enfin, en tout cas quand vous pensez que votre dégradé est cool, voilà, bah ça va être le moment de venir reprendre la transparence. Voilà. Vous voyez, je ne lève pas. Hein. Enfin, non, vous ne pouvez pas voir, mais... Essayez de m'imaginer, je ne suis pas en train de lever le stylet de ma tablette, d'accord? Ne levez pas le stylet de votre tablette quand vous faites ça. Ça va faire du caca cosmique. Hop, et ensuite vous retravaillez votre transparence. Donc là vous passez en gomme, d'accord. Et là vous mettez de la transparence là où vous pensez qu'il y en a, hein, tout simplement. Et je pense que je vais tout travailler en fait dans un seul et même, truc. Je pense que j'ai chopé tout ça, puis je vais faire contrôle. Voilà. En vrai c'est pas mal. Vous avez remarqué que j'ai pas sauvegardé depuis le début? Est-ce que quelqu'un avait remarqué que j'avais pas sauvegardé depuis le début? Donc, est-ce que c'est juste une volonté sadique de votre part d'attendre le crash? Ou est-ce que vraiment personne ne l'avait remarqué? Voilà. Ça, c'est mieux. Comme ça. Et là, hop, je gomme. Petit coup de gomme, petit coup de gomme. Voilà. Et donc toujours pareil, un petit bout par petit bout. Hein, vous allez obtenir un truc plus sympatoche. Vous voyez, là, par exemple, j'aime pas trop comment c'est fait. Là, je vais juste reprendre ça. J'aime bien le côté, voilà, qui est ce truc-là qui passe devant. Voilà. Et que le pli un peu se dédouble. Ben j'avais moi je l'avais remarqué. Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as rien dit? C'est cruel. C'est super cruel. Après je vais tout repartir du début. C'est pas gentil. Ah comment je vais faire ça? Je vais choper. Je vais prendre peut-être un rouge un peu désaturé, genre une espèce de marronasse comme ça. Un petit, tout petit peu désaturé, peut-être un tout petit peu plus violacé, mais pas des masses. Je vais me faire une petite pastille aussi. Hop. Ta-ta-ta. On va revenir là. Ouais. Et revenir là-dessus. Donc là, je vais gommer juste là. Je vais pas gommer d'ailleurs, tiens, regarde. Je vais faire ça, histoire qu'on voit en transparence en dessous le pli du tissu. Oh, c'est beau. C'est beau! BO accent circonflexe! C'est très très cool comme ça. Impec, je cautionne. Alors ici, je vais peut-être juste mettre un peu de transparence. Ouais, nickel. On va venir mettre un petit peu de rouge plus foncé
Donc baisser un peu la transparence et avoir un petit peu plus d'ombre. Je dis là c'est la partie où clairement, je vous le dis immédiatement, vous allez vous croûter au début. C'est vraiment la partie chiante quand vous allez commencer à retravailler comme ça. Parce que vous allez forcément faire des conneries. C'est genre obligé. Parce que vous, à un moment donné, vous allez forcément avoir la tentation, surtout si vous avez l'habitude de color pick, hein, et vous allez forcément faire une connerie. Vous inquiétez pas, vous ferez la connerie une fois, vous la ferez pas deux. Hein. C'est comme le fait de pas sauvegarder, oui. C'est normalement, hein, vous faites la connerie une fois, et puis après vous devenez assez, assez parano là-dessus, même si comme quoi, hein, ça peut arriver même au meilleur. Voilà, et on va descendre ce truc-là. Et on va bien sûr faire s'évaser le pli. Parce que les plis, ça s'évase quand ça descend. Vous voyez ? Les plis sont resserrés ici, c'est normal. Et là, ils vont s'ouvrir. Waouh, telle une jolie fleur. Avec. Voilà, et puis là, on va tout bien lisser. Voilà. Hop. Donc vous remarquez, hein, et je terminerai là-dessus. Parce qu'après, ce serait bien que j'aille bouffer. Voilà, vous remarquez que je ne me suis pas trop cassé le cul à lisser les choses, c'est-à-dire que si je vous dégage le truc en dessous, vous voyez que c'est pas hyper lissé. Alors, un, je le fais pas, pourquoi? Parce que le truc là, je suis avec un dessin qui a une transparence, on est bien d'accord. Généralement, les tissus qui ont une transparence, c'est des tissus genre des tulles, par exemple. Qui sont des tissus qui vont avoir des petits trous. Vraiment plus ou moins gros, mais quand même, en général, assez visibles. Et qui vont donner justement cette granularité, quand c'est vu de loin. Donc, moi, j'aurais tendance effectivement à garder voilà, ce genre-là. Maintenant, imaginons que vous êtes vraiment sur un tissu, genre un tissu extrêmement fin, type un coton vraiment très très fin, qui a quand même une transparence. Vous voyez, vous avez des cotons comme ça qui sont très 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 fins, mais qui du coup ont une fibre beaucoup plus resserrée, qui va de fait, qui ne va pas, pour être exact, de fait, avoir ces petites aspérités-là. Donc là, vous aurez moins intérêt à garder le chaos de la brush. Là, vous aurez plus intérêt, en fait, je vais vous faire un duplicata là, à venir dans un second temps, et j'insiste sur le « dans un second temps », choper ce type de brush, ou, si vous avez peur de faire une connerie en peignant, ce type de brush-là, qui vous fera le même effet, mais sans rajouter de peinture, d'accord? Et sur la finalisation, ok, vraiment sur la fin des détails que vous installez, vous allez venir peindre avec cette brush-là. Donc, quand on appuie fort avec cette brush, elle peint. Quand on appuie pas fort, en fait, elle va tartiner. Donc, gérez bien les degrés de pression de votre tablette. Ça joue sur la tablette. Hein. Si vous n'avez pas le bon degré de pression au niveau de votre tablette, vous allez faire du caca cosmique. Voilà. Puis, vous pouvez gommer aussi. Et voyez ce que ça donne? Tout de suite, on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus flou, d'un petit peu plus lisse aussi. Hop. Mais faites ça dans un second temps, hein, d'accord? Si vous commencez dès le départ à lisser, vous savez très bien comment ça va se terminer. Vous allez tout lisser comme un gros bourrin, et vous allez vous retrouver avec des plis dégueulasses, qui n'auront plus aucun caractère, qui n'auront plus... voilà. Ce sera la mort du fun, donc faites pas ça, s'il vous plaît. Commencez vraiment bien en travaillant voilà, des gros plis comme ça. Et donc la petite touche finale, une fois que vous avez fait ces plis-là, que vous avez bien travaillé votre lumière, ça va être de venir mettre l'ombre de l'autre côté. Oui, parce que là j'ai beaucoup travaillé mes lumières sur ces gros plis-là. Je vais peut-être même éclaircir un petit peu là. Donc j'ai beaucoup travaillé ça. Et ici, il va y avoir de l'ombre, hein, forcément, c'est obligé. Voilà. Donc hop. Je vais venir. Ah putain, j'ai remodifié la sensibilité de ma tablette. Bougez pas, voilà. Voilà. Et vous allez donc venir foutre de l'ombre derrière ici. Hop. Derrière vos plis, histoire d'avoir un vrai arrondi, c'est-à-dire d'avoir un côté vraiment qui par là qui va vraiment choper la lumière, voilà, et un côté vraiment derrière par là qui va choper l'ombre. Voilà. Et là, si vous faites ça, c'est gagné. Genre, c'est vraiment c'est jackpot quoi. Et là, vous avez vraiment des plis qui vont être visuellement intéressants. Peut-être rajouter un peu de rouge comme ça aussi dedans, histoire d'avoir un chouette dégradé de rouge d'abord. De celui-là, parce qu'il y a forcément un petit rebond de radiosité à un moment ou à un autre. Voilà. Et du coup, bien sûr, ne cédez pas à la tentation de vous retrouver avec des plis qui vont tous faire la même taille. Ça va donner, encore une fois, un truc parfaitement dégueulasse. Quoi. Voilà, voilà. Ça vous paraît good, tout ça, messieurs, dames? Voilà. Impec. Elle est pas mal, la dame. Ça, si j'avais pas tellement la dalle, en fait, je resterais un peu plus. Mais j'ai trop la dalle. Je crève la dalle, faut que j'aille bouffer.
faut tellement que j'aille bouffer. Mais par contre, je pense que je la reprendrai, la meuf. Parce que... histoire de finaliser, vraiment de la finaliser, parce que vraiment j'aime bien le concept. Surtout maintenant, depuis que je sais que c'est un crâne de bébé, et là forcément... voilà. Crâne de bébé égale glauque, égale win. Donc on, voilà. On est bien, on est bien. Voilà. Ouais, très good, impec. Donc si vous avez des questions, hein, vous avez genre 30 secondes. 30 secondes avant que j'arrête le live. On se dépêche si vous avez des questions. Attention, attention, attention. Personne n'a de questions. Oh, c'est magique. Voilà. Merci Willine, c'est gentil. Mais honnêtement, cette technique-là, elle fonctionne bien. Après, voilà, faut vraiment juste être patient. Faut pas essayer de trop rusher, mais ouais, ça se fait assez bien. Je dis le pouvoir du chaos. Le chaos, c'est le bien. Impec. Bon, ben voilà. Eh ben, je la continuerai une autre fois. Ce qui va me permettre de vous faire quelques petites annonces, puisque moi, je vais les reprendre, les lives. Donc là, c'est vraiment reparti, et normalement, c'est reparti pour durer. Je pense que je vais caler au moins 2 dates, et il est plus que probable, par semaine, j'entends, et il est plus que probable que les lives se passent entre midi et 2, parce que bah, c'est assez cool entre midi et 2. Il n'y a pas d'autres lives concurrents, donc les gens qui veulent vraiment faire du dessin ne seront pas obligés de choisir entre moi et quelqu'un d'autre. Et puis en plus, bah, ça meuble pendant qu'on est en train de bouffer. Donc je me dis qu'en fait, en vrai, c'est plutôt pas mal. Donc vous n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres idées d'horaires ou de trucs comme ça, quand je mettrai le replay sur YouTube, hein, vous me mettez dans les comments s'il y a des horaires qui vous arrangent bien, ou voilà, des choses que vous pensez qui pourraient améliorer, etc. Voilà, vous n'hésitez surtout pas. Donc on va être amené à se retrouver sur une base régulière, et ça c'est bien. Et également, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, il y a d'autres profs et d'autres élèves qui soit font déjà du stream, soit s'apprêtent à se mettre au stream. Attendez-vous donc à ce qu'il y ait des challenges, des défis, des collabs, voilà, et toutes sortes de trucs comme ça, plutôt sympathiques. Ça vous paraît cool tout ça? Moi ça me paraît cool tout ça. Et sur ce, mes amis, je vais vous laisser à vos assiettes, vous laisser retourner au travail si vous avez du travail, parce qu'en ce moment, bon voilà, c'est un petit peu aléatoire selon les gens. Et moi je vais aller bouffer putain sa race parce que j'ai faim. Voilà. Donc je vous dis très bonne fin de journée et à très bientôt.